tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a super bien dormi, on prend la route là. On fait un petit peu une vidéo entre guillemets de la veille. Parce que bah, y a tellement eu de choses, on a hésité à rester un peu sur la côte pour essayer de ne pas remonter trop vite, vous comprenez? Car en ce moment, j'ai beaucoup d'abonnés qui s'amusent à m'envoyer des petites photos de pluie, de froid, de dire bienvenue dans le nord, bon retour à vous. C'est trop gentil, merci. Faut pas se précipiter sur les belles images pour l'instant dans la région. Donc c'est pour vous dire que ben là en fait on est dans le fourgon, on prend la route, hein chéri. On prend la route, ouais. Pour aller voir des amis auxquels ça fait hyper longtemps qu'on discute avec eux sur Instagram, YouTube un petit peu moins, mais on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux et il nous tarde en fait de les rencontrer. C'est une famille française qui habite maintenant depuis quelques années en Espagne. Elle devait rester je pense qu'un an ou deux et ça fait 6 ans qu'ils sont en Espagne et je les comprends parce que c'est tellement bien l'Espagne. Donc on vous emmène les amis du côté de Valencia. Enfin on va pouvoir découvrir cette magnifique grande ville. Il y a des choses qui claquent quand on prend la route. Je tiens le micro pour essayer d'avoir un maximum de... qui sont pas bien fixés, ouais voilà. On a cette chance de pouvoir continuer encore de profiter de Sun à fond parce que disons que là, depuis qu'on est remonté d'Espagne, on n'a pas énormément fait de camping, même pas du tout. Et en fait, on trouve quand même des spots assez sympas, mais il faut parfois oser se dire, écoute, on tente. Si jamais on nous dit quelque chose, on bouge. Et généralement, on nous dit trop rien. Avec Sun, ce qui est bien, c'est qu'on passe partout. On passe partout, ouais. C'est petit, il fait 5,50 m. Mm. Il passe partout. Tiens, remonte ta vite, Loulou, est-ce qu'on n'entend rien? Mais j'ai chaud. Là, on a 27. Remonte ta vite, bébé, on n'entend rien du tout. Mais la clim. On a la clim, Jérôme, il met jamais la clim. Je sais, c'est pas bon, mais... Je vais la mettre, la clim. Quand on papote comme ça, on n'entend rien. Donc là, on a combien de kilomètres, chérie? Là, on a 206 km. Ah ouais, 206, 2h03. Donc, ouais, on va bien rouler, à mon avis, plutôt 2h30, à mon avis. Ouais, tout doucement. Non, mais ça va bien rouler. Ça va être une autoroute après, donc... On a pris la route tôt ce matin, parce que le temps de faire la route, si jamais il faut qu'on s'arrête pour Luna ou quoi. Et après, s'il faut qu'on puisse déjeuner. Je dis bien déjeuner, pas le petit déjeuner. Comme ça, voilà, tranquillou, il fait pas trop chaud malgré qu'il fait déjà 26, hein, les amis. Vous allez dire, je vous enquiquine quand même à me parler des températures qu'on a ici. Mais quand il fait trop chaud, c'est pas agréable non plus. C'est surtout pour Luna, en fait. On va se faire tuer en commentaire. Ouais, Luna, on va faire attention, mais bon. Là, un petit peu de clim et c'est nickel. Bah alors sinon, chérie, un petit retour, je pense à ça. Comment a été ton voyage, ton road trip? On a l'impression d'être parti 6 mois. C'est vrai qu'on a l'impression d'être parti assez longtemps. Hein. Assez longtemps, on est d'accord. Donc, ça s'est bien passé. Nickel. C'est vrai qu'avec un plus grand véhicule, on aurait été plus à l'aise, mais on aurait fait peut-être moins de choses. Donc, c'est même sûr qu'on aurait fait moins de choses. Je pense qu'avec le bus, ça va être un voyage complètement différent. Ouais, ça, on l'a déjà répété. Hein. Rassure les gens que pour l'instant, White, on le garde. Ouais, pour l'instant, voilà. Il n'y a aucun. Ambiguïté de le vendre ou quoi, mais c'est vrai qu'on constate et c'est tout à fait normal quand on voit d'autres familles ou alors je sais, il y en a qui vont peut-être dire vous voyez, vous savez le Gaulois quand il va partout avec son bus, mais c'est le bus du Gaulois. Nous c'est pas, il y a aucune prétention là-dessus, hein, mais c'est vraiment parce que c'est pas du tout le même car et Bruno c'est un bus. C'est vrai, c'est un bus. Nous, c'est un car de voyage. C'est très haut comme véhicule. Et c'est pas les. Pourtant, il fait 10,60 m, mais il est beaucoup plus gros. C'est pas fait pour faire du 4x4. Avec. Exactement. Voilà, on peut pas faire de piste avec le bus, avec le car. Voilà. Donc, on est plutôt satisfait de notre voyage. Et voilà, je voulais avoir l'avis de Jérôme. Comme on a une grande ligne droite, j'en profite pour lui poser la question. Mais bon, on aura plein de belles choses à raconter à la famille, les grands-parents et tout ça. Et on espère revenir avec le soleil. Voilà.
Je vous l'ai dit, on ramène dans les soutes le soleil. Oh, regarde le camping-car, il est beau. T'as vu? Jaune. Orange. Ouais. J'ai pu reconnaître le jaune et l'orange, moi. Bon, la petite pause sur une aire de service. Regardez, il y a de la peinture devant, là. C'est trop bien fait. On s'arrêtait dans une petite commune, histoire de faire le... bah, les services, quoi, dans une aire adaptée. Bah, on sait pas où on est, l'INSEE. On est à Caudete. À quoi? À Caudete. Caudete? Caudete. On est à 100 km de Valencia. Et Linda, elle doit faire pipi. En 2 mois de temps, 2 mois et demi. Ah, on a fait pas mal de kilomètres, hein, regardez. Ça y est, hein. Attention. Amis, avec vous, on passe les 9000 km en 2 mois et demi. Ah la vache. Ah, il a bien roulé, Sun. Hein. Waouh. Ouais, aucune panne, aucune galère. Non, ça a été des petits trucs, quoi, mais bon, ça a été. Hein. Eh ben, bah limite, en remontant dans le nord, ça fera 10 000. Ah bah ouais. Plus de 10 000. Passé. Ah, c'est bien. On a bien roulé, hein, voyez. On a bien roulé. Ça va vite, hein. Bienvenido, Valencia. Hola, les bouchons. Bon les amis, on vient de croiser les amis, ils nous ont klaxonné, ils étaient dans un pique-nique, c'est ça, hein. Et ils nous ont vu, ils ont vu 59, ils ont dit « Oh, ça doit être eux !» Du coup, là, on les suit, ils sont devant, ils nous emmènent à un parking gratuit, parce que là, le parking qu'on a vu juste avant, ben il y avait des petites choses par terre qui ne nous plaisaient pas trop, et là, comme c'est gratuit, on va aller voir. Il y a plein de camping-cars, donc nickel. Par contre, il faut juste rien sortir ici parce qu'apparemment, c'est, il t'a dit c'est un peu comme Marseille. Ouais, mais on sort pas. Nous, on n'a pas l'habitude. Non, on sort pas. Ou une chaise. On est parqué sur des stationnements comme ça. Ouais. Pas de problème, on sort rien. On sort juste le chien. On sort le chien, ouais. Le pitbull. on sort le fauve. Le fauve. On fait le tour. Et on va aller se parquer. Et au moins, on est sûr qu'on pourra. Ah, l'INSEE! Regarde! Oh, il y a des barres de gym! Trop bien! On pourra faire du sport ce soir! Ah, c'est trop bien! Je t'ai fait peur, ouais, je sais. Maman, quand elle est contente, elle crie et je vous fais peur. Là, les amis nous emmènent. Ah, ben en plus, il y a la grande poubelle. Ça tombe bien parce qu'on a des poubelles à mettre. Et on va aller se parquer.
Luna, elle est contente là. On marche, il fait moins chaud. Elle est contente. Hein? Elle a vu un copain. Ah, les enfants, là, ils sont contents. On fait un peu de ballon, un peu de sport. Le soir, ils adorent. On a repéré aussi des bars, on va y aller tout à l'heure. On continue notre challenge. Ah, l'INSEE, ce soir, on fait combien de squats déjà? Tu te souviens, l'INSEE, c'est combien? Tu sais plus? Hier, 75, donc ce soir 80 squats. On va mourir. Regardez Luna comment elle est. Hé, hey, Luna! Luna! Luna, à l'aise! Hé! Hey. À l'aise, mon bébé! À l'aise! Luna et la plage. Hein? On est bien là, Loulou, hein? Franchement? Ouais. On est trop bien. Tout à l'heure, on a bu une coupe de champagne avec les amis. Et toi, une cerveza avec Sébastien. Ouais. On est trop bien. Ouais, c'était cool. Plus le temps qu'on devait se voir. Franchement, au top. C'est une ville hyper animée, très très grande. Ouais, les enfants sont contents. Regardez mon fils, il prépare tout le pique-nique. On va aller manger à la plage avec les amis. Il est en train d'emballer la salade à maman. Ouais. Donc on a pris plein de petites choses. Yaourt, ça c'est à Sam, il adore ça Sam. On a fait du thon, des carottes, bon bref, voilà, on a tout embarqué. Bon, ça, je crois que j'ai fait trop de sandwichs. T'as fait quoi? Trop de sandwichs. Non, ça va, bah c'est pour vous quatre. Hein. C'est pour vous quatre. Ah bah nickel. L'INSEE, ça va? Pas trop mal aux cuisses en ce moment? Non, pas du tout. Non, mon Dieu, la poubelle, faut la vider, elle est grosse. Du coup, on est encore sur le parking. Mon loulou. Jérôme, il check son planning pour le retour. Là, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Là, on attend les amis, ils sont dans un tout petit peu dans les bouchons. Et on va aller pique-niquer tous ensemble. Ça va chérie? Tu vas montrer tous tes talents de gym aux amis. On a fini de faire le pique-nique là. On va aller faire un petit tour. Regardez, il y a les terrasses et tout. On est trop trop bien avec tout le monde. Et là, on va bouger. L'INSEE doit montrer ses talents. Du coup, on s'est rendu au truc de sport. Bah vas-y, viens avec maman. D'habitude, elle s'est chauffée. La pauvre, tout le monde la regarde. On est avec les amis, on s'est rendu là. Mais j'ai mal à la main. Ouais, ça fait un peu mal à la main. Ouais, regarde là. Ah oui. Regardez, on est entre nous. Oh non, c'est pas assez haut. Ah, je peux pas. On est en train de s'échauffer, Sam y est là. Ouais, non, non, mais... Ah Sam, ça y est, il se met à la muscu, là. Ça y est, déterre. J'ai des cloques, du coup, ça fait mal. Ouais, les cloques, ça fait mal. Ouais, c'est bien. On est entre nous, c'est trop bien. Regardez, on va faire un peu d'équilibre. Mets ton téléphone dans la poche, tu vas le casser s'il tape. Allez l'INSEE. C'est bien. Émilie, c'est à toi, hein. Va faire le grand écart. Donc pour précision, Émilie c'est ma copine qui est là, avec son mari et ses enfants. Allez chérie, grand écart. Bon maintenant c'est à moi. Coucou. Salto ou pas? Là pour l'instant je vais faire le costume. Fais un petit salto, ouais. L'INSEE veut nous montrer ses talents, forcément. Allez ma puce. Allez l'INSEE, ta mère. Elle a son public, voyez, en Espagne, c'est trop bien. J'adore. J'ai mal vu. J'ai un public espagnol. Un public espagnol. Oh, pour l'espagnol aussi, couramment. Pour l'espagnol couramment. Ouais, je parle espagnol couramment. Ouais. Attention, on en fait un autre. Pania. Waouh. Ça craque le dos là.
Et là, je vais faire la bosse. Vas-y. on a motivé Émilie là. Oh non, non, ça va, contre, j'ai la soupe. Ça y est, on a motivé tous les amis là au sport. Attends. Je vais pas avoir la place, tu vas faire. Tout le monde y passe. Ah bah, et Seb, c'est trop bien ça. On l'a pas à côté. C'est pas facile, hein. J'en ai fait deux. Non, non, moi, j'arrive pas. Ah, Sam, bien. Ouais, t'es cool. Dans votre sens. Pourquoi? Les mains dans votre sens pour faire la pâture. Ah oui, tu veux avancer. Ouais, pas mal, pas mal, ouais. Spider-Man. Eh, bien joué. Ça, c'est l'Afrique. Ouais, t'as bien joué. Ouais, c'est l'Afrique. C'est la... J'attends. À toi aussi, Léo, tu peux faire. Trop fort. Tu veux t'accrocher là? Ouais. Allez, souffle. Max. Pas évident. Allez, notes, c'est des mordus de sport. Hein. Oh là là. Ouais, chérie, allez. Chut. Moi, je dis ça, je suis pas mieux. Moi, je filme. Et ce soir, moi je fais. Ce soir, on fait jusqu'à, je sais pas, 18h vers 23h. Des muscu. Et comme ça, après, on fait grasse mat. Vas-y, on fait du gainage, celui qui tient le plus longtemps.